Après une longue nuit reposante, mes amis et moi-même nous reconnections. Lors de cette attente interminable, la crainte d'un raid nocturne était dans l'esprit de chacun. Jusqu'au premier homme debout, qui constata avec stupéfaction que la base avait tenu. L'angoisse se dissipa et le cours du wipe reprit, et premièrement, en direction du site de lancement. Ouais, je ferme, je me fais quelques bandages. J'en vois un. Viens vers nous. Bah, deux mecs, bout de ponton, 60-70. Je crois qu'on a été vu, mais voilà, je vais faire. Ouais, ils s'engouffrent dans la forêt, l'autre là-bas. L'ours, là, il y a un drop juste au-dessus de nous, hein. Ouais, carrément. Il y a une lance. Ah, c'est celui-là d'ours buggy. Il y a un mec là qui est en top. Un mec qui se ramène 240, les gars. Moi j'ai peut-être mal, mais. Tu peux l'utiliser. What? Arrêtez de fuir à chaque fois qu'on vient, bordel! Oh bah, la power plant, hein. Putain, et. Relou les gens. C'était fait moi. Moi non, il y a que Sylvie. J'ai trouvé un 6 coups et 22 HQ. C'est moi qui me suis cassé les jambes. J'ai pas entendu de louche. C'est quoi le son que j'entends là? C'est dans un poteau de chez vous? Très certainement le mien. T'entends comme l'avion qui atterrit? Ouais, c'est ça, il y a un avion qui passe dehors chez moi. Ah, ok. Je comprenais pas, je te mets ça, c'est pas un son de jeu ça. R3. Oh, le grand four. Ah, ça c'est. On l'avait pas. Le chauffage. Oh, c'est un. Sam. C'est un petit chauffage à la maison. La grosse est en train d'être faite. Oh putain, par contre. Ok. Ouais, allons taper une bouée. Ah, j'ai trouvé un deuxième jackhammer aussi. Nice. Oh. Peut-être pas taper du bois. C'est toi ça? Non. Ça me donne envie d'y aller. J'y vais. Tu sais où il était à peu près? Vu. Ouais, je le vois, je le vois. Ils sont 3. Ah, mais c'est le mec de la base à côté. Monsieur Backstab aussi, il y en a derrière. À quel endroit tu sais où? De 320. Ouais, il y en a un sur moi. Ah, il m'a. Attends, chut. J'étais 5. Peut-être passer, hein, faire gaffe. Pas de bruit. Pas faire de bruit, on bouge pas. T'inquiète, je suis wounded encore.
c'était full stuff, LR. Fallait pas respawn, je t'ai dit. On va se faire raid 100%. Ouais, je suis là. Bouge pas, Malvose, bouge pas. Bouge surtout pas. Ouais. Ok. Bouge surtout pas. J'ai fait la boulette de respawn. Voyons voir. La base avait été repérée par un groupe de mecs pas très sympas. Mais... notre objectif à partir de maintenant était de bouger rapidement. Oh non. Mais un loup là, je pense que... tout ça, il faut prendre la GM. On va pas, on soit pas en plein milieu, tu vois. La seule... vas-y, tu sais, à ce qu'on se mette au bord de l'eau. Ah, j'ai un bon spot ici. Hein. Ça vous dit de me ramener de la pierre ici? Je vais commencer à construire. Ouais. T'as besoin de combien? Franchement, déjà. Non. Mais sans 4. Et puis, j'ai déjà. Hop. Là, j'ai pris. Non, mais t'avais plus qu'il y avait. T'es mort. À peine le temps de poser notre base que déjà des curieux rôdaient dans les environs. Au-dessus de notre base équipe. La nouvelle ou l'ancienne? Ouais, la nouvelle. Vous voulez que je vienne? Oui. Headshot, il est peut-être mort. Non, il est pas mort. Ces derniers devenaient une vraie plaie. À la moindre occasion, ils venaient essayer de nous embusquer. J'en ai ras le cul. Pas le toucher. Et une fois encore. Il est mort. T'avais plus de balles? Ou les a peut-être pas prises? Ils a peut-être pas pris sur. Porte ouverte, non. Les gars. J'ai buté porte ouverte. Ouais, dans sa base, porte ouverte, si tu veux dire. Ouais. Ok, ok. T'as loot mon cadavre ou pas du tout? Non. Attention, tiens, reprends l'arme de Mister. Prends tout ça, et ça, et ça. Oh putain. Je vais avoir le jackhammer aussi après. J'ai tué les tours de base ou quoi? J'ai tué les deux. Ok, nice. Rina, il a du délai, 100%. Nice. Il y a un minicoptère qui arrive en 140. Ok, ok. Je sais pas ce qu'il fait, mais je pense qu'ils ont fait ça pour ramener. Pour tirer des gens. Ouais. Bien. Parade là. Écoutez. Ouais. Pas notre ancienne base. Peut-être. Faire pas. Je vais aller vérifier que vous voulez. Je dépose tout ça et je vais vérifier. Ouais, pour éviter qu'ils pêchent. Gros, comment on rentre dans la base là? Ah ouais, c'est chaud. Mais attendez, c'est pas nous qui sommes en train de se faire raid là, quelqu'un peut aller check? Je vais check. Oh, y'a moyen que ce soit notre base, hein. Je vais pas vous faire peur, mais... si, ouais, les gars, si... attends. Reste là, charge. Je suis mort. Ok, j'ai vu 5 personnes au moins. Ouais, ils sont... la porte de garage, elle a 100 HP. Ils sont dedans. Oh, il m'a pas vu, j'ai spawn... oh non! Oh, putain, j'ai spawn gros, j'ai pris la LR, il m'a tué, oh. On se fait raid. Ils se sont fait counter raid. Y'a un mec à l'intérieur AK. Je crois qu'il était tout seul. Non, peut-être pas. En G5, juste au-dessus, frontière G5, G14. Chart, prends ça. Au cas où. Et tu balances si tu peux. Oh non! Charles, fallait pas la balancer! Un peu tard. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai balancé la grenade. Par contre, j'ai pas pu leur nom, c'est qui qui m'a tué? La team S, bah moi c'est Bob Razowski qui m'a tué. Ah ouais, c'est vrai. Ils vont avoir le reste large.
Nous avions survécu à la nuit, mais malheureusement pendant cette tentative de dip chez les nouveaux voisins, le groupe hautement armé nous avait coupé dans notre élan. Nous n'avions plus qu'à repartir de zéro dans la nouvelle base. La porte au début. Sur toi. Il est descendu et tombé dans le truc. Il y a pas de moyen de ressortir. Il est bloqué. Je crois qu'il est tombé dans le trou. Ouais, tu me boostes. Vas-y, vas-y. T'es où? Now you're stuck, bitch! Il va pas tirer. Ah, il a plus qu'une balle. Un caillou. Il a une balle encore, ouais, il avait une balle. Ah, il en avait, il avait rechargé. Je crois qu'il s'est tué. Ah. Malvose? Oui. J'ai retrouvé ton stuff avec le jackhammer. Et qu'elle vient d'être faite. Comme je vous le racontais plus tôt, les voisins devenaient invivables. La moindre petite faille dans notre vigilance était une victoire pour eux. Nous ne devions jamais baisser la garde. Moi, de la merde, des graines et puis. On frappe du grand fourneau, c'est ça que tu viens de trouver? C'est ça, c'est ça. Ok. Je te mets dans la petite tâche. T'as besoin de buter un voisin encore? À ce moment, un ami des territoires du Nord, un Suédois, me vint en aide. C'est ainsi qu'Itsem rejoignait les rangs pour quelques heures. Is this your forking base? Non. Come. Un fusil automatique, je ne pouvais pas louper cette occasion. Encore une fois, nos plans tombèrent à l'eau. Mais nous ne baissions pas les bras. Après une petite aventure mouvementée, nous avions de nouveau les fameuses cartes. Il était temps de repartir en quête de ferraille. Après moult tentatives de communication avec mon ami Viking, nous nous étions mis d'accord sur notre prochaine destination. Nous ayant vu passer à l'allée, ils étaient prêts à notre retour. Il fallait que ça cesse, nous devions élaborer un plan et passer à l'action. Bob et Itsem étaient partis dormir, il ne restait plus que Malvose et moi-même. La nuit passée, nous décidions d'aller en éclaireur savoir s'il dormait. Wow. Oh, père, j'ai flippé ma race. C'est quoi ce truc? C'est une montgolfière qui a explosé.
passer de l'autre côté. Oh, quelqu'un qui se ramène. Ouais. Ça spawn. Ah oui. Ouf. Merde. Mais ils vont se faire raid. Bon bah ils se font raid. En plus y'en a un avec lance rocket. Je pense qu'ils sont que deux hein. On peut essayer gros. Allez. On va essayer quelque chose. On va passer par là. Qui s'en va. Je parle dans la lancée, ils vont. Il est derrière le mur. Attends, remonte pas. Ouais, ouais. What? Ça tirait sur un rocher à côté. Au moment où il a tiré, t'as sauté. Nice le timing. On va faire pas là-dessus. Monte là-dessus, moi je serai à côté. Attends. J'attends. Vas-y, t'es prêt? T'es prêt? 3, attends, 2. Vas-y. Oh! Headshot! J'arrive naked. Il est headshot encore? Push sur la gauche. Je suis mort hein, du coup. Ouais. Dégoûté. Il visait déjà en haut du rocher. Attends, chut. Tu en sautant. Je me suis relou, je fais quoi? Je me barre ou je reste? J'arrive. Je vais essayer d'y aller DB moi. J'ai DB grenade. Ok, c'est toi qui tiens là? Ouais, 3 ou 4 hits sur le mec rocket. Ok. J'arrive par derrière. Il sait pas où je suis, il m'a pas vu. Tue-toi. Je suis derrière, je suis dans leur dos. Un hit. 2 hits, il est derrière le wall, 2 hits. Il est mort. J'ai un lafou sur le deuxième gros. Oui, ils sont 3. Un hit, il y en a un hit push gros. 2 hits, 3 hits, il push. Mort. Bien joué, j'arrive. J'ai tout. Vas-y. On se casse. Est-ce qu'il faut que je vienne looter ou pas? Ah oui, viens looter gros. Cours si t'es fou là. C'était l'action qu'il nous fallait, l'action qui nous redonna courage et espoir pour notre wipe. Grâce à la combinaison de Malvos à distance et de mon fusil à pompe au corps à corps, nous avions concrétisé notre plan. Nous étions remplis de joie et d'excitation, mais attention, il fallait qu'on reste vigilant et sur nos gardes. Attends. Il nous cherche. Ok, je fais pas de bruit, je suis toujours dans le cœur de la base. Part, je les vois. Hein. Ah, tu peux descendre. Ouais, c'est bon, ok. Mais tu sors pas, quoi. Pas tout de suite, en tout cas. Attends. Remonte. Ouais. T'entends pas moi courir dans l'eau? Ça. Pardon?
Ils ont contact. Ouais, je les entends. C'est pas de bruit, hein. Ça, ça échelle ? Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Les gros, qu'est-ce qu'ils font là? Ils se pètent 100% les jambes ou quoi? What the fuck? Mais. Là, mon AK, elle a un quart, enfin, un quart HP, ça suffit. Pareil, 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 non. Mais bon, on a pas le choix. Non. Ok, c'est parti. Vas-y. Ouais. Allez, vas-y. Ils sont en haut, ils sont sur le toit. T'as trouvé l'échelle ou pas? Ouais, c'est de ce côté. Y'en a en bas? T'es mort ? Il a pris une fight, il m'a tué, oui. Oui, je suis mort. Putain, il était derrière un wall, caché derrière un wall. Chier. Ok, il est mort. Il pète la porte de garage. What? Attends. La porte de garage qui donne à la. Putain, ils vont à la T1. Là où il y avait la T1 avant. Sympa. Ils ont pété la porte de garage. Ok, ok, ok. Y'a un mec qui est là-haut. Dehors. J'ai un visu là où ils ont pété. J'ai une ligne cassée. C'est rentré. Ils ont pété un autre endroit. Ils sont dans la base, dans le cœur. Combien ils sont? Un, deux, dedans? J'en ai vu un. Un rentré. Ok, ok, ok. Par où il est rentré, putain? Il y a deux trous en fait, hein. Oh, je suis dégoûté. Il me pète des bagues. Mort dehors. Bien joué. Je vais essayer d'arriver dehors. T'es... Mort, mort, mort. Bien joué. Je referme au plus vite. Yep. Il fait que courir, tu l'entends pas? Ouais, mais il staff comment? Je vois pas encore. Je crois qu'il est naked, non? Attends. Je crois qu'il est naked. Ah non. Ah, c'est toxique. Ah, mais c'est toxique et hier, les mecs qui sont morts. Non, non, non. Ouais. Normal, je l'ai buté. Toxique, il est en train d'essayer de loot l'autre. Oh. Je suis mort sur toi. Ils reviennent avec des. Ils reviennent avec des roquettes. Ah putain. 20 secondes, je suis là. Pas assez. Si, forcément. Je suis mort. Mais quoi? J'étais au milieu de la pièce. Il y a aucun mur qui. Mais c'est pas possible. Je suis mort par un rocket, alors que je t'ai collé à aucun mur. Ça veut dire que pendant que je courais, il a pété le. Attends, attends,
Mort tous les deux. Oh mais c'est pas possible, t'es un monstre. Putain mais... Je te laisse te focus sur le tunnel. C'est le plafond qu'ils ont pété, c'est ça? Non. Bah, par le même endroit. C'est toi qui es là dehors? Non, c'est pas moi. Ils ont du bois. Ils ont du bois sur eux? Ouais. Un qui a bois. Assez? Ou genre. Ouais, large, 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 large. Mais il en faudra. Oui, on va en taper quoi qu'il en soit. Y'a pas moyen de revoir. Tu vas là dans la base? Non, c'est pas moi. 9 secondes, je spawn. Je spawn dans une seconde. À l'instant, je spawn. Mais j'étais juste en train de loot 3 maïs là et 2 citrouilles, enfin bouffer, et je suis mort. Par un lance-roquette. Ah putain, monte pas. Non. Ils sont là-haut. Elles sont la M2 maintenant, carrément. Ah, what? Ils sont counter? Il y a une arme qui traîne là par là, putain. Ah oui, là. Allume ta lumière, allume tout ce que tu peux en lumière. Ok. Allez, relève-toi, c'est le moment où faut que tu te relèves. C'est toi qui est en train de bouffer à l'infini? Ouais. Je me suis fait, achever. Ouais. Regarde au niveau de la TC, il y a des AK, je crois, normalement. Allume, putain. On va y aller par là, pardon. On va y aller par la droite, let's go. Mort, un mort, un mort. Je suis sur la colline. Ils sont trois, gros, ils sont trois. Vas-y, 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 on rentre. Un sur la colline. Un mort. Il y en a un mort. Vas-y. Faut fermer. Ça va. Un sur la colline et un au même endroit que celui qu'on a touché là, qu'on a tué. Je serai obligé de repartir. Sur le toit, toi là maintenant. Ok. Fais gaffe au mec, Colina. Tu me dis si je sors. Le mec qui essaie de se reloot, il est mort. Ok. Un autre mort. Je sors ou pas, gros? Sors, sors, sors. Faut que j'ai l'info de savoir où ils sont. Mort ou wounded, mais je pense qu'il est mort. Je vois personne à l'étage des fenêtres. Ouais, ça m'a cru quoi. J'ai quasiment fait tout le tour de la base, j'ai vu personne. Close. J'enlève l'échelle. Ah ouais, c'est non, y'a personne à l'étage des fenêtres. Vas-y, va looter, va looter, va looter, va looter. Go, go, go. Ok. Passe de ce côté-là, ok. Ah, fais gaffe à l'intérieur, fais gaffe à l'intérieur. Y'en a à l'intérieur. Ah putain. Je suis mort instant. Ah putain, j'aurais dû le jouer, je savais pas, j'aurais peut-être pas dû aller looter. Je savais pas qu'il y en avait à l'intérieur. Merde, bon, c'est pas grave. Ils peuvent pas se relooter quoi qu'il en soit, pour le moment en tout cas. Ok, ok, je me dépêche hein. Il attendait derrière la porte de garage. Ils reviennent en masse hein.
Ramar. Bien joué. Hop Colline, si tu peux aller le loup, ce serait le pied de ouf. J'essaye. Le problème c'est que je suis sur le côté. Ça c'est bon. J'ai une trop bonne. Sur la colline à côté du mur en bas. Mais headshot. Je me heal. Je suis pas bien. Ils sont DB. DB t'as dit ? Ouais, y'en a un qui s'est fait DB. On a tué encore un autre. Je sais pas où t'es, mais Viens des... Ah putain ! Je me reste en... Ah, oh, ça me casse les couilles. Il était en bas, hein, sur la tête. Attends, chut. Je suis mort sur le toit, fait chier. Merde. Je peux respawn. Ah, je me suis fait le 96. Ouais, c'est fini. GG wellplay. C'était combien, 3 ? Et c'est ainsi que s'acheva notre courte mais très intense aventure. Même dans la défaite, nous avons passé un excellent wipe. C'est toujours un plaisir de se faire raid lorsque l'on est connecté. L'adrénaline mêlée au sang-froid, cela fait bien longtemps que je n'avais pas ressenti ça. S'il y a bien une morale à retenir de tout ça, n'attendez pas que vos ennemis dorment pour raid. L'aventure n'en sera que plus folle. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire. Sur ce, camarades, à bientôt.